Excusez-moi les vieux. Et maintenant que je sais ton âge, Nestor, tu es foutu, hein. Tu es foutu. Je croyais que le doyen ici c'était papy, mais en fait toi t'es l'arrière-grand-père en fait. Poo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 
Je me rends dans cet entrepôt. Tout le monde a l'air d'être mort. Donc on va essayer de déverrouiller un petit peu tout le bordel. Je voudrais passer une grosse dédicace aussi à Texou qui est en train de se mettre en... Génial. Se mettre le feu sur... sur Need for Speed. Hier il m'a vendu du rêve hier avec sa Honda. Il m'a fait vraiment vraiment rire. Grosse dédicace à toi Chacal. Et à Natsu qui commence à devenir de plus en plus accro à Fallout. Limite, je vais pas dire pire que moi, mais il devient vraiment vraiment très 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 accro au jeu. Je lui avais dit. On pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu. Hein. Le mec, ça y est, il voulait pas se mettre sur le jeu. Et d'un coup, il s'est mis. Limite, hier, je suis allé me coucher. Lui, il était pas encore couché en fait. Et je me suis couché, c'était 6 ou 7 heures du matin. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur du bordel. C'est n'importe quoi. Du coup, une dinguerie. Alors, j'ai installé New Vegas. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. J'ai installé New Vegas, il fait 6 Go. J'ai vu ça tout à l'heure, je l'ai installé en 5 minutes. Je pense que je vais le tester offline comme ça pour délirer, genre vite fait envoyer une game quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces images? Salut, salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Qu'est-ce que c'est, Abaddon? Oui, si, si, t'inquiète, je sais, Abaddon, je sais, je sais. Ah, me spam pas ça sans images, s'il te plaît, frérot. Ouais, je n'ai ça vaut quoi. Salut, Adam. Tranquille ou quoi? T'inquiète, t'inquiète, je sais, gros. J'ai d'autres priorités à faire avant d'aller ici, gros. Mais t'inquiète pas, j'irai. Ne te fais pas de soucis. Laisse-moi juste faire ce que j'ai à faire, frérot. Tout le monde veut que j'aille à droite. Tout le monde veut que j'aille à droite à gauche, j'aimerais bien hein. Je vais pas te mentir, j'aimerais bien aller partout. Le problème c'est que j'ai envie de découvrir moi aussi un petit peu par moi-même, malgré que genre La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. Il croit qu'il a halluciné le robot. La sensibilité de mes capteurs doit être... Ah mais... C'est des fous. Oh. Mouvement détecté. Curieux. Il en peut plus le robot là, il est en PLS. On est dans une bibliothèque, il a dit le bâtard. Tu vois pas, on est en mode soum soum là, Nick? T'es sérieux quoi, gros? Frère, je t'ai pris parce que genre je pensais que t'étais le plus malin du groupe, mais en fait t'as l'air d'être une gros dindé toi aussi. Hein. Ça y est. Il se passe pas. Il se passe quoi ici là? Parce que. No comprendo. Tu leur as parlé du snipe? Ouais. Celui que j'ai pris là? Ouais, ouais. Mais il était juste en haut de ce bâtiment en plus. Un petit peu, rien de... Oh putain! Je l'ai pris ou pas? Yes. Rien de ouf ouf, mais ouais, ouais. C'est toi, Nick. Ok, ça va être un truc pour remonter plus tard. Alors, je vais pas vous mentir, je me mettais assez la pression sur le jeu pour avancer un petit peu, etc. etc. On va essayer de le faire vraiment comme on le sent. Et pas vraiment ce... Soupe de légumes. Et pas ce... Se bousculer entre guillemets. Putain, je vois des marqués cartouches de 45. Bon, il est très intriguant cet endroit. Non! 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 Mais je l'ai vu en plus, c'était là accroché quoi. Ouf, merci. J'ai raté quelque chose. J'ai déclenché le piège quoi. T'as raté quelque chose, j'ai failli mourir enfoiré. Même pas tu m'as protégé.
Genre, tu aurais pu te mettre devant ou quoi? Tu as vu, genre, exploser pour moi. Non, non, rien de tout ça. Toi, tu préfères. Voilà. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Bon, alors, c'est un entrepôt de robots. Ah non, on est parti. What the fuck, c'est quoi ce délire? Salut Showtime, ça vaut quoi? Ben. Poulpe, tu es au courant pour la pièce secrète de Fallout 4? Je sais pas si il est au courant, en tout cas moi je le suis pas. Y'a pas de soucis, papier. Ouais, si, ben ouais, elle était super contente. Mais par contre, je sais pas où sont les robots. Alors est-ce qu'il faut que je saute dans le trou là-bas? Y'a pas moyen d'activer quelque chose pour. Parce que c'est bizarre, non? Que. Là, le seul truc que j'ai eu. Ah ben si, y'a ça. Pfff. Pouah, la mise en PLS du mec là. Pourquoi tu bouges la main comme ça? Regardez comme il bouge la main. Mais c'est quoi ce délire? Fallout 4, malapart. Ah, calibre 50. Une aide de soudage, on s'en contre-fiche. Bon, c'est soit tu viens avec moi, soit tu viens pas. Hein. Salut. Et je décharge, quand je décharge, je débranche mon téléphone. C'est bloqué de l'autre côté. Bouteille de livide, on va essayer de. On s'en bat les couilles. Non, sérieux, tu vas me faire pied. T'es sérieux, tu vas me faire. C'est bon. Salut Benjamin, merci infiniment. Salut Romain, ça va quoi? Bien? Je l'espère infiniment, franchement gros, je l'espère, merci en tout cas pour le soutien à l'équipe, merci Romain. Je l'espère gros. Déjà l'essence était genre juste inimaginable au début, tu vois. Et là petit à petit ça monte quand on pense que, ouais c'est vrai qu'on est plus, on est plus qu'à 25 subs, 27 pardon, subs de... Du, de, des 5, des 150. Putain, je vois que dalle. Alors c'est bien, c'est viseur comme ça, mais... D'accord. Oh, et légendaire. Alors c'est le 4. Alors ce qui est bien avec cette arme, encore une fois, vous allez voir, c'est que c'est une arme qui tire... Qui tire avec des cadences... Assez... Il est où? Vous avez vu que c'est une sorte de barrette en fait le bordel. Par contre je te vise là non? Limite c'est mieux que sniper tu vois parce que genre t'as pas tout le temps rechargé nanana. C'est ouf hein. Franchement c'est stylé, moi j'aime beaucoup. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Dans ton cul. Dans ton cul deux fois. Dans ta tête. Intéressant. D'accord, je suis monté comment là? Par contre, j'aimerais bien savoir où. Alors, il a pas de gros dégâts, concrètement, hein. Mais encore une fois, c'est des balles que j'utilise très peu, voire pas du tout. Donc du coup, j'en ai une chier, quoi. Petite question, il s'est passé quoi tout à l'heure? Il s'est rien passé tout à l'heure, c'est hier soir, frérot. Une grosse mise en PLS. Alors, qu'est-ce que tu as à me donner? What the fuck?
Les cibles subissent 25 points de dégâts d'hémorragie. Au KLM. Ok. Ok, bah, pas mal. J'avais plus d'armes laser. On va prendre, hein. On va pas se... Voilà, on va faire les... Donc j'essaie de jouer un maximum avec les armes où j'ai le plus de munitions. D'où ce 10 mm. Et du coup ce sniper. Et je pense que ça va faire largement... largement l'affaire. On n'a pas essayé encore la mitraillette. On va tenter de faire ça plus tard. Ça va être cool. Franchement ça va être cool. Je suis chaud putain. Ce soir je suis chaud, je suis tendu, je vais pas vous mentir. Je me suis dit vas-y je le lance à 18h30 et tout, je m'en bats les couilles. Alors je comprends pas. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ah d'accord, ils sont là. Mais je vais faire le tour de toute façon. Donc c'est cool déjà, lui il m'a donné un snipe. Il m'a donné un laser. Une arme c'est toujours intéressant. Par contre j'ai pas... Nick il est pas avec nous, alors je sais pas où il est ce PD. Pardon. Nick Valentine. Une clé d'installation de Maha. C'est bien ça, je sais pas ce que ça va ouvrir mais... quand tu vois des clés tu prends. Tu poses même pas de questions. Là voilà ce que ça ouvre. Regarde souvent derrière les portes, tu ne sais jamais, ils sont tellement coquins dans ce jeu qu'ils seraient capables de mettre un truc de fou derrière une porte. Les phrases de para dans ton dos, dans ton cul, dans ta tête. C'est presque ça. Tu pourras me montrer tes armes s'il te plaît? Oui bien sûr, je ferai un petit récap tout à l'heure, hein, t'inquiète gros, je vais faire ça, je vais essayer juste vite fait d'enchaîner ces machines. Alors de toute façon c'est simple, je peux même te les dire de tête. En 1 en fait j'ai le 10 mm qui te débloque de la confrérie secrète, que tu débloques la première quête de la confrérie secrète. En 2 j'ai le 44 magnum de Kellogg qui t'est donné directement par lui-même quand tu lui fais décaler. Ensuite tu as en 3, si je dis pas de conneries, j'ai le... Ah non. En 1 j'ai l'arme de qu'on a trouvé dans la mine hier soir. Dans l'arme qui fait des poisons. En 2 le 10 mm de la confrérie. En 3 le 44 magnum de Kellogg. En 4 un sniper que j'ai trouvé juste sur ce toit, sur le toit de cet immeuble qui se trouve tout en haut à droite de la map, qui s'appelle Maha c'est ça hein. Non c'est Makra Fish Packing. Ensuite en 5 j'ai les grosses pétoires, une arme que tu débloques sur le bateau ici à Libertalia, dans la cabine du commandant. En 6, ça c'est une arme que tu trouves, l'anti-mutant qui fait 50% de dégâts supplémentaires contre les mutants. Et ensuite en 8, une arme que j'ai trouvée dans le coin. Et en 9, le laser alien. Voilà. Les capteurs doivent être trop sensibles. Tu vois c'est n'importe quoi parce qu'en fait voilà tu vois c'est un sniper le bordel mais... Il faut que j'arrête d'utiliser des balles pour rien. Parce qu'il a quand même un petit recul. Putain je vois que dalle. Mec arrêtez de vous amuser avec des pistolets laser quoi. Faut casser un peu les couilles là. On va la tester. Alors j'ai mis une vision sniper parce que honnêtement je pense que... Bah ouais d'accord ouais mais toi t'es où? Ouais carrément. Mec c'est infâme là, genre tu vois que dalle.
Il va me tuer, ce fils de pute. Pardon. Je me guéris même pas, hein, genre, parce que je trouve que j'ai gaspillé trop de balles. Le gâchis ce que je viens de faire là, mais complet, quoi. Oh mec, mais nique ta race! Nique ta race! Oh con! Il m'a énervé! Comme il m'a mis la haine! Allez, encore ça. Mais gros, tu vas pas me dire que j'étais pas à la tête là! Mais y'a que des synthétiques élevés ou quoi? Écoute ta mère le robot. Oh, sérieux, il m'a mis trop là, non? Je vais devoir descendre, c'est ça? Je tressaille trop, c'est ouf. Je tressaille beaucoup trop. Il est où? Ah, mais le mec, quoi. Ah. Ils ont des armes améliorées, c'est pas possible. Eh, nique ta race, hop. Ok, ça, toi, tu m'as gonflé. Oh, je vois plus rien. Bah ouais, c'est clair que je... Pouah, le mec, j'arrive à le tuer alors que je vois trouble. C'est quoi ce délire? Non, mais je t'en mets dans un endroit où les robots sont plus... plus importants, j'ai l'impression, quoi. Tu vois, ils font plus de dégâts que d'autres, c'est pas possible. Vous avez vu, oh, en même temps, j'ai pas du tout mis de défense. J'ai pas de défense en fait. Sur le jeu, j'ai aucune défense. Donc, je dois m'en prendre qu'à moi-même aussi. Je dois m'en prendre qu'à moi-même. J'aimerais bien que Nick, je le vois un jour en fait. T'as vu, genre, t'as des persos sur le jeu. Ils appellent ça des compagnons. Mais je ne le vois pas, ce compagnon. Ouais. Salut Kiliro, ça va ou quoi? Bien. Salut CR7, bien ou quoi frérot? Je ne les vois pas. Donc j'aimerais bien savoir où se cachent les gens. Alors, smile. Ah. Oh merde, j'aurais dû faire le... Quel con. La musique s'emballe. Alors j'ai pris un coup des grosses pétoires. Vous savez, je parle. Il est là, genre. C'est qui là? Et voilà. Merde, c'est de là où je viens. Quel con. Mais toi, t'es là, toi. Toi, ça fait 8 heures que je te cherche. Moi, j'ai toujours pas mis d'arme, mon mec. Ça me saoule de lui donner des balles et tout. Genre. Je pense que je vais lui donner la mitraillette que j'ai prise là. Je pense certainement que je vais lui donner la mitraillette. Qu'est-ce que c'est que cette odeur?
Ouais, bah en même temps, j'étais activé, mais il n'y avait plus personne. En vrai, c'est tout ce qu'il y avait en fait. Mouvement détecté. Curieux. Étrange. Mes capteurs doivent avoir mis des dégâts. La sensibilité de mes capteurs détecte une présence ennemie. J'ai réussi à C'est ouf en fait, elle est ouf cette arme. Je sais même pas si je vais lui donner. Hein. Trop con, il saurait pas s'en servir. Bon ok, bah, je sais pas en fait, peut-être ça sera lié à une quête ou quoi. J'ai nettoyé les robots dans cette zone, mais... Rien de parti, rien de ouf quoi, rien de parti. Pas à fond sur le jeu, toujours. En gros, là on parle de... Oh merde, merde, merde! Salut Gagger, ça vaut quoi? Bien frérot! Promis, pas de PLS! Mort de rire! Ah, mais c'est vraiment très très sympa en tout cas ce qui s'est passé. Attends, parce que là ça commence à me saouler. Oui, c'est ça. Pointe. Pointe-moi avec la main. Ah, mais c'est légendaire! Oh, j'avais pas vu. Ah merde. Parce que les mecs, ils pensent faire leur show là, mais. Il y a des mecs partout. En fait, tous les gens, en fait, ma femme, elle a vraiment, bah, vraiment apprécié. Elle vous a laissé un message sur Twitter. Merci, merci encore. Les gens, ça y est, ils sont dit bon, on l'a mis en PLS, on va plus jamais lui faire dedans. Ça, c'est bon, mec. On t'a fait des dons pour un an au moins. Ok, c'est cool, on a tout niqué. Donc, un brasseur droit réduit de 15% les dégâts infligés par les fangeux et les insectes. Je crois que j'en ai déjà un comme ça. Mais ça peut toujours servir. Fait un bruit de paix un peu le sniper que j'ai là, mais bon. J'ai 99 balles, 999 balles. Je crois qu'on n'est pas seul. Non, t'es sérieux, il est perspicace ce mec. Non, mais gros, t'es sérieux. Et voilà. Et sans transpirer une goutte. Il est trop con ce chip, je te jure en vrai. En vrai le mec il est trop con putain. Aïe, j'arrive pas. Merci Redon. Il a dit quoi ton proprio? Ben je l'ai appelé, bon il faut que j'ai le temps de virer l'argent de PayPal sur mon compte, mais je lui ai dit normalement dans 2-3 jours vous aurez votre argent et... Il était content, qu'est-ce que c'est? Ah mais lui il m'a fait très très mal lui. Il était plus qu'au refait le monsieur, je peux te dire que... Il a Jizz dans son froc hein. Putain, ah ouais d'accord, lui il rigole même pas. Mais gros il a une arme de fou, je la veux!
Oh, il m'a mis 100% de radioactivité. C'est quoi cet homme? Je la veux. Je pars pas tant que t'es pas mort, toi, je te le dis. Et vous savez qu'elle est pas montée l'arme, elle a 50, je crois, là. C'est un truc de fou. Alors n'oubliez pas, merci, merci Texou, on a un objectif 150 subs, franchement, si on y arrive à y arriver avant la fin de cette année, ça sera plus qu'une mise en PLS totale, déjà, avec ce qui s'est passé hier, c'était hard. Plastron. Putain, j'espère que je vais avoir son arme. C'est ça. Oh ouais. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Inflige 10 points de dégâts cryogéniques et congèle les cibles en cas de coup critique. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Putain, j'ai trouvé 2-3 armes de fou en fait là, ici là. Moi, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais... Par contre, les balles qui sont demandées, en fait, je sais pas du tout ce que c'est. Laser alien. Donc celle-ci, elle s'appelle blessure, l'autre s'appelle congélation. D'accord, je viens de la jeter au sol. Dead. Congélation. Donc elle fait 10 de dégâts, mais 110 de radiation. Elle va me faire délirer, ça, là. Je sens, elle va me faire grave, grave délirer. Ça va être un truc de ouf. Oh, par contre, le rechargement du turfu, mon gars. Bon, on était censé faire une quête vite fait pour le délire. Là, on est reparti avec une arme de dindin. Comme d'habitude, c'est quoi ce délire? Bon. Allez, on est parti pour les quêtes. Sinon, on va jamais s'en sortir. Les vieux canons, retournez au château. Relevez la boîte aux lettres morte. Encore? Ah, c'est vrai, j'ai gagné un point. Tu l'as eu, le Terminator. Salut, Jericho, ça vaut quoi? À mort? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Red Hood. Tu m'as tué, frérot. Ouais, y'a pas de soucis. Ça fait 2 semaines que je suis les streams de Para et je m'amuse de plus que, c'est, que les autres youtubeurs. Merci infiniment, Dado. J'ai eu du mal un petit peu à... Qu'ils ont 1 million de... Merci, frérot. Le mec, il remplit son arme avec des piles Duracell. Tueur. Hello. Alors, la réaction de ta femme. Salut, Rix. Elle était choquée. Mais on croyait pas au début. En fait, on était en voiture. Et elle me dit... J'aime trop, puisque... Auprès d'Augusta. Ok. Elle me dit, non, qu'est-ce que tu dis et tout, tu as vu? Je dis, non, je te jure, mon amour. J'ai dit, hier, c'est monté jusqu'à 1000 euros. D'un coup, elle me regarde comme ça avec sa tête et tout. Ça y est, il est reparti, putain. Yo, bro, je vais aller voir le replay. Merci du petit message, ça fait plaisir. Merci infiniment, Schizo. Merci pour ton don de 50 euros, la famille. Merci. C'est quoi? Ça m'a fait peur et tout, le message des dons. Alors, je vous explique hier, je sais pas ce qui s'est passé. Après qu'il y a soirée, genre quoi que c'est monté jusqu'à 1000 euros, on dirait que c'était fait exprès. Hein. Twitch Alert, il m'a plus marché. Il a plus marché pour les follow, pour les subs, pour les trucs. Il n'y a plus rien qu'à marcher. Il a plus voulu rien savoir. Il a dit nique Sarah, c'est bon, t'as eu 1000 euros, tu fermes ta gueule. Et ma femme, elle était choquée. Honnêtement, elle était vraiment, vraiment choquée. Elle me dit c'est un truc de fou. Elle me dit c'est un truc de fou. Et d'où le message en fait qu'elle vous a fait. Elle m'a dit, hein, franchement. Un gros respect à ces personnes qui t'aident de jour en jour et c'est cool. Je vais pas commencer à chialer parce que ça y est, ça va être reparti, mais mais non franchement c'était super. Putain, on perd du monde.
Mais gros! Attention, arme laser! Je vais voir ce que ça fait. Oh putain, bon vas-y, c'était un pompier, on va voir ce que ça fait avec d'autres personnes. On va prendre ça. Attends, c'est quoi comme balle? Pour le calibre... C'est du calibre 12. J'en ai que 164 de calibre 12, non, on va se calmer. C'est quoi ce jeu, putain? Les deux pillards, ils ont... J'espère que ça arrivera plus fréquemment, para. Merci, bro. Merci. Hard. L'arme de fou. Quoi, il y a des mecs, là? Quoi, des mecs ou des bêtes? Je sais pas ce que c'est. Moi, c'est des bêtes, j'ai l'impression. De... C'était plus des bêtes que des mecs. On tire sur tout le monde en même temps, on s'en bat les couilles. Ah, ça one-shot les deux d'un coup. Waouh. C'est normal là par contre que j'arrive pas à viser la bête qui est devant moi. On en parle des bugs jukebox ou pas? Lui aussi il m'a mis des radiations hein. Il a pas aimé que je lui en mette je crois. Mais comment tu veux viser avec ça devant la gueule? Quoi? Ah mais non, c'est con, c'est une goule. Ça va rien lui faire. Par contre, ça va te défoncer. Alors. Non, je rêve, c'est qu'il y avait une goule légendaire dans le lot là. Il y avait une goule légendaire dans le lot ou pas? Alors attendez, je vais faire un truc. Il y avait une goule légendaire dans l'eau. Oh là là, réduit les dégâts de 15% quand vous êtes debout ou immobile. Genre le truc, ça c'est trop. Les grosses pétoires là, c'est n'importe quoi cette arme. C'est vrai, ça leur redonnait de la vie, vous avez vu? C'est n'importe quoi. Allez, ferme ta bouche, toi. Ah, par contre, elle m'a donné un petit peu de... Hop. Un petit peu d'énergizer, c'est reparti. Salut, Weavos. C'est pas cette arme. Elle a quoi comme mode? Mais en fait, je viens de la trouver, là, il y a 5 secondes. J'ai pas trop regardé, je l'ai juste équipée, en fait. Salut, Kizonecto, ça va ou quoi? Je vais te la remontrer vite fait. Comment elle s'appelle? C'est congélation. Donc inflige 10 points de dégâts cryogéniques et congèle les cibles en cas de coup critique. C'est un truc de ouf. Ça me fait plutôt rigoler en fait. Le truc c'est que pour viser c'est un petit peu la merde. Voilà. À mon avis ça pue la goule luminescente ou je sais pas quoi là. C'est pouvoir débloquer ce terminal? Sans problème. Il est là. On remballe, les gars. Y a rien du tout. Ça devrait être interdit de choisir un mot de passe aussi facile à trouver. Remis d'hier, ça va. Merci infiniment, Kizo. Ouais, ça va, ça va. Il doit être fat à améliorer, ouais, j'avoue. Il doit y avoir un terminal pas loin. Mais ouais, l'arme de Sam Fisher, j'avoue. J'ai dit tester un Natsu, ça, il a bien kiffé.
Cette arme one shot dans la tête, hein. Je vous rassure. Je quelqu'un là-bas. Il y a pas eu un bruit. Je vous assure, hein, elle one shot quand tu mets bien la balle, ça one shot dans la tête. Quand tu t'es pas repéré, hein, que t'as les dégâts de furtivité. Je vais attendre qu'ils arrivent. Regardez, je dis pas de la merde, c'est la one shot. En fait, je comprends pas pourquoi tu. Faut pas déplacer le truc là. Elle est vraiment très très puissante, c'est un Gemilien vraiment vraiment très puissant. Alors encore une fois, hein, c'est l'arme de la confrérie secrète. Hein. C'est le 10 mm qui vous donne quand vous faites la première mission de la confrérie secrète. J'ai rien fait dessus. Hein. Concrètement, j'ai juste amélioré un peu l'arme. Et j'ai, c'est tout. Et j'ai mis un viseur laser, quoi. J'ai mis le vert, là, le truc vert que vous voyez. Ciao. Quoi ? La voie a l'air libre. Et quand tu les one-shot pas, tu t'affoles en fait. Parce qu'en fait, il m'avait repéré avant que je. Alors, on joue la fille de l'air. Rien de personnel, hein. C'est juste toi et moi. Mais viens. Ouais, un coffre-fort juste comme ça, caché, quoi. Oh. Salut White, ça vaut quoi? Bien ou bien? Il n'y a pas eu de souci avec le proprio, ben il va avoir ses sous, donc non. Vous avez la technique. La peau. On veut s'amuser avec moi, hein. Ah. What? Le 44 de Kellogg, quoi. Le 44 de Kellogg, quoi. Le mec, je me suis retourné, je fais quoi? Pow. Ta gueule. Ah oh, putain, cette arme, c'est trop... Ah, je suis trop lourd. Hey, je suis tout oui. Prends ça dans la gamelle. Dans la gamate plutôt, non? Pff, ouais, à quoi bon activer le bordel? Non, sérieux? Elle est où? Je sais pas ce que c'était, mais ça a filé. Non, elle a pas filé la coquine, elle est juste cachée comme une pute. Salut! Elle dit plus rien à la coquine, hein? Elle fait plus nanananana. Petite grenade dans ses fesses. Il va revenir d'un deux, il va dire les fesses, le dos, le cul, la tête. Il dit plus. Oh. Bonjour! Caché, hein? Je n'allais pas te voir. Coquine. C'est pas bien de jouer des tours comme ça. Tenue sportive, pourquoi pas. Pff, fuck. Nick! Hey, je peux faire quelque chose pour vous? Carrément. Vous cherchez quelque chose? Ouais, une mule. Ça dérange pas? Synthétique.
Pourquoi ils auraient fait ça comme ça? Pour rien? J'ai l'impression qu'ils font rien pour rien dans ce jeu, donc... Alors ok, on va essayer d'aller au point maintenant qui m'est indiqué. Alors... Donc ils m'ont dit de monter, ok. Juste regarder, vu qu'il y a un amas de cadavres. Ok. Ah, le bonjour, il m'a tué. j'ai envie de Kellogg's à quoi à cause de toi, mort de rire. T'as moi aussi, j'ai envie de manger des Kellogg's. On va pas manger des Kellogg's, hein. Je me suis préparé un petit sandwich à... au thon, n'importe quoi. Au brie. Je veux dire au thon. Comme ça, quand je commencerai un petit peu à avoir la dalle, je me mettrai ça dans le bide, tranquillou. Ce sera une grosse dédicace à tous les mecs qui me traitent de fils de pute parce que je mange en live. Je vous aime aussi, putain. Oh oh. Ok. Il a pas dit bonjour. Fais niquer sa merde. Fusil de chasse, y'a que des fusils de chasse, c'est ouf. Mais là t'es mort. C'est sympathique ce qu'il a fait. Oh, il a pendu par le cul. Oh putain, c'était sale. Oh, c'est sale, merde. Qu'est-ce que t'as cassé? Qu'est-ce que t'as cassé? Qu'est-ce que t'as fait encore comme bitches? C'est quoi cet antre de la mort là? C'est quoi cet antre de la Maria? Maria! Pardon. Salut, Condalon. Sors de là, ça sera rapide. Comme je rigole si je dois headshot ce mec. Mais c'est quoi cet endroit malsain là? Le clé, bah! Il a pas fait long feu. Peut-être que je sorte une musique un peu espagnole et tout, moi. Je l'avais dit qu'il était énorme ce flingue, je rigole pas quand je dis qu'il est énorme. C'est bon. Vous faites ça un peu trop bien, je trouve. Oh, ça veut dire quoi ça? T'insinues que j'ouvre des portes comme ça aussi facilement parce que je le fais dans la vraie vie? Oh le bâtard! Le mec il dit, je trouve que vous faites ça assez. Hé hey, mec! Oh non, merde! Oh non, j'étais one shot. Putain, j'avais dit, mec. C'était rapide. Y'a pas un truc planqué? Ah, cachette de capsule. Donne-moi une gun. Ce mec, il a que des guns. Musique de western. Genre, le mec, il... Je vous ai dit que c'était chaud, putain. Eh, vous remarquez, ah, les ricains sont tarpin chauds hein, sur ce genre de danse et tout là. Eh, t'insultes une musique de western et un ricain, gros, il te fait un deuxième trou de balle. Hein. Au Texan. Qu'est-ce que je fais? Oh oh. Oh le mec, non! Ça y est. J'ouvre les portes comme ça aussi facilement. Lui, il va croire que... Oh, putain. Quoi? Regarde. Ding, ding, hein. Hé, hey, c'est quoi ce bordel? Bah... Moi, j'y comprends plus rien. Mais qu'est-ce que vous foutez? Fusible. Oui.
Faut vraiment être lâche pour se cacher. Paraluc. Paraluc. Change de difficulté, c'est trop facile. Eh hey mec, laisse-moi jouer comme je veux, ok? J'aime quand c'est simple. Je sais que t'es là, je vais te trouver. Non, c'est pas parce que j'ai des armes cheatées que c'est simple, hein. C'est pas vrai. Ce n'est pas de la simplicité. Salut Dark, ça va ou quoi? Bien. Aucun signe. Yo. Psst. Psst. Hey, Nick. Nick. Je peux plus bouger. Qui? Oh, je vais y faire une vieille blague. Nick. Faut pas flipper pour rien. Hé. Allez, du bas. À chaque fois que tu mets headshot, le mec il chante et tout, il danse, comment ça? Ah putain. Allez. Évaluer la situation au repère, c'est la merde. Honnêtement, c'est la merde. S'il te plaît, Nick, reviens. Il va me faire jeter un truc, quoi. Ça me fait chier, ça, gros. Oh non, ventilateur, je peux pas. Des vis ou de l'huile? Nick Saras, on aurait dû l'appeler, lui. Pas Nick Valentine, c'est enfoiré, là. Il est jamais là. Où t'es? Oh putain, des capsules. Capsule. Ok. Téléphone. Je vais le prendre, je vais être... Remarque, c'est pas trop lourd, téléphone, non? Ah. Ah, je l'ai reposé. Ni. Ah, le truc il s'est reposé, il a fait what? C'est bon, on a rien vu, j'ai pas touché. Oh putain. Nick c'est un fou, frère. Elle devrait s'appeler Luke et Luke l'arme, je sais pas. Peut-être, hein. Oh, c'est mignon, ça fait pousser les champignons. Grenade. Non. Ventouse. Mais gros, c'est des médocs, putain. Me fais pas des trucs comme ça. J'ai plus le droit de prendre de psycho ou quoi. Fais chier. Tiens, ventilateur de merde, casse-toi. L'autre, il est toujours je sais pas où. Dans le bendo. Alors, ils disent qu'il faut que je descende à 19 mètres. Y a pas un moyen plus rapide, quoi, moins rapide de descendre que là? Ça pue un peu là, non? J'aime pas trop ça. Ah! Putain, si j'oublie ça, mec. Ma foi, bon. Donne-nous les pattes! Nick, t'es là! Cache-toi! Oh. Non! Non, je t'ai dit que... Je crois que je vais faire. Putain, je me sens chaud là. Oh, ma lance spéciale. Inflige des dégâts de plus en plus importants au fil de la nuit et moins de dégâts en journée. Vampire. Ils auraient dû l'appeler comme ça. Vampire. Je sens que je vais me lancer dans la musique ou quoi, moi. Je suis vraiment chaud, hein. Tu sais, faire des sons. Allez-y. Et tout. Voilà ce que j'ai. Ridicule, type. Ridicule, quoi. T'imagines le premier mec qui passe pour la première fois de sa vie sur le stream, frérot?
Il dit, mais qu'est-ce qu'il a ce chip? C'est tout rogué ou quoi? Ah, c'est juste que je suis en forme. Je pète la forme, putain, je pète la forme. Qu'est-ce que je fais avec un dépôt de pneu? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? T'as pas le droit, mec. Il est où, Nocturne. C'est l'heure de la torture. Ah, je me tape un délire avec ma fille sur ça. C'est à cause des mignons, hein. C'est complètement débile, elle regarde H24 le film. Il y a un mec là, d'un moment, il va pour les torturer. Genre, le mec, au lieu de dire ça normalement, tu sais, je vais vous torturer. Il le regarde, fait, c'est l'heure de la torture. Je lui fais ça à ma fille toute la journée, elle est morte de rire. C'est trop con, je sais, pardon, je suis désolé. Mais ça me fait rire. Hey, beau gosse. Eye protection. Oh, c'est pour toi, chapeau. Chapeau. Nick, mange. Foyer. Tout à l'heure, tu fais que de la merde. Énergie insuffisante. Suivons le câble. Suivons le câble. Le câble nous mène ici. Radiation, radiation. Hop, les médocs. Ah non, c'était pas les bons médocs. Si, c'était les bons. Wow, tout ce qu'il y a, putain. Oh, what? Qu'est-ce que c'est? Oh putain. T'es sérieux, mec? Il nous sort des calibres 50 comme ça? Ok. Nick, assieds-toi, faut que je te parle. Hey. Je vous écoute. J'ai trouvé un snipe de malade. Tiens, prends-toi ça, Nick. Prends aussi le démon de pneu. Et me talou, je pense. On te pardonne, c'est l'heure de la torture. Bonsoir, Aliana, ça vaut quoi? On te pardonne. Vous me pardonnez quand même, genre le mec qui dit de la merde. On te pardonne, vas-y, vas-y, pète un con. Pète un plomb, pète un con. Il y a un peu des radiations partout, hein. Je suis en train de canner. Dans le plus grand des calmes. Je dois regarder ma combinaison en fait anti-radiation. Je suis en train de me faire complètement irradier, gros. D'ailleurs, ça se voit pas déjà sur ma tête, je commence à le. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, aujourd'hui je suis passé au coiffeur. Je me suis dit que je ressemblais pas tellement au personnage que j'avais créé sur le jeu. Du coup, je lui dis. J'ai sorti mon personnage comme ça. Je lui ai fait écoute, j'ai créé un perso sur le jeu, il est comme ça. Est-ce qu'il y a possibilité de faire la même coupe? Il m'a dit ouais, pas de problème. Ah, j'ai par contre le trait blanc, t'oublies là parce que c'est de la merde. Parce que tout le monde il fait ça en plus à Marseille. What? Ok. C'est l'heure de la torture. Avant d'aller au QG, on va vite se vider à Sanctuary. Je vais vous mettre ça dans la tête, hein. Vous allez regarder les mignons. La prochaine fois que vous regardez le film, bon, vous en battez les couilles du film. Mais si vous le regardez un jour, vous penserez à moi quand vous verrez cette scène où il pense torturer les mignons. Mais en fait, ça devient un parc d'attractions, le truc. C'est du n'importe quoi. Salut, Draenez. Merci Kiki du follow. Merci Luda. Et merci Benedict. Bienvenue. Welcome. Pardon, c'est les CRL qui remontent. Qu'est-ce qui tue? J'ai acheté trop de carambars avec l'argent que moi il fallait, c'est ça. Attention. Je vais voir ce que je peux faire. Merci Nick. Bon. Par contre le démon de pneu. Qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Collier. Wow, j'ai vu marquer. Bon, laisse tomber, laisse tomber. J'ai vu marquer un truc. Démon de pneu. What? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, je l'ai stocké. Oh, mais non, quel con. Libérateur. Les Kiruk.
Ouais. Oui. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Le fameux sniper de merde. Bon, on va se vider un petit peu les poches. Parce que concrètement, ça sert à rien d'avoir toutes ces armes. Sachant que déjà, j'arrive plus à avancer. On va se faire un petit peu de la bouffe aussi.